Baionako suprefeta da Patrick Daien, iazko azarotik. 15 urtez, aritu da Frantziako hainbat eskualdetan suprefeta gizan. Aurretik, ibilbide luzea egin zuen Finantza Ministerioan. Kanaldudek, Euskal Irratiek, Herriak, kaseta.infok, eta Ipar Euskal Herriko Hitzak elkarlanean eginiko ahoan bilorika besaioan elkarrizketatu dute Daien. Gori-gorian dagoen giro politikaz galdetutan, Frantziaren jarrera argia azaldu du. Frantziak ez dio aitortza instituzionalik eginen Ipar Euskal Herriari, adostasun zabala egon arren horren inguruan. Nafarroa bera herri elkargo batean biltzeko proposamena landuko du, adostasunik ez dagoen arren. Aieteko adierazpenari buruz, Frantziak urratzak egin beharrik ez duela adierazi du. Ukatzen du lotura dagoenik. Ekainaren 15ean ieslari politikoek Miarritzen egindako agerraldiaren eta txiloketen artean. Euskararen inguruan ondokoa esan du. Normalement, il y aura pas de mise en place de signalétique en bilingue ni de traduction des imprimés qui sont mis à disposition du public à la sous-préfecture ni dans les services de l'État d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est pas une nécessité, c'est pas indispensable. De mettre en place cette signalétique permettre le maintien et le développement de la langue. Voilà, c'est qu'on ne veut pas aller jusqu'à cette étape-là. Pour le moment, c'est comme ça. D'ailleurs, ça n'existe nulle part ailleurs, à ma connaissance. Il existe de la signalétique sur la voie publique, mais pas dans les services de l'État. C'est un principe d'égalité des citoyens sur tout le territoire qui peuvent trouver dans les services publics une signalétique en français, puisque le français est la langue de la République. Voilà. C'est écrit dans la Constitution, donc c'est l'application stricte, de cette règle. Comme d'ailleurs, on rappelle régulièrement aux fonctionnaires de l'État qu'ils doivent s'exprimer en français, et ne pas s'exprimer. Alors là, c'est ce qui est visé, c'est plutôt les langues étrangères, comme l'anglais ou d'autres langues. Mais c'est la stricte application, si vous voulez, de notre Constitution et de certaines règles qui en découlent. Monsieur Indo a dit, il n'y a pas très longtemps, il a dit « Tant que la langue basque sera en danger, il faudra créer des nouvelles ikastolas ». Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire « tant que la langue basque sera en danger ». À partir de quand on considère qu'elle est en danger et jusqu'à quand on peut considérer qu'elle ne l'est plus ? Ça, j'avoue, je n'ai pas la réponse. Parce que ça, c'est une notion qui est difficile à appréhender. Alors, on peut considérer qu'elle est en danger si chaque année, il y a de moins en moins de gens qui la parlent. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que le gouvernement ne veut pas, c'est aller jusqu'à la co-officialisation de la langue. Ça, aujourd'hui, il n'en est pas question. En revanche, il fait des efforts aujourd'hui. Et il n'est pas question de remettre en cause, aujourd'hui, les efforts qui sont faits pour soutenir la langue basque. Vous le voyez bien. Si on parle de chez HK, il y a quand même une convention passée à l'éducation nationale qui permet le financement de plus de 100 postes d'enseignants. C'est quand même pas rien, hein, surtout par les temps qui courent.